le roi, mon frère, notre frère, notre frère. Le roi a tout fait pour moi. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux. There is a lot of reasons why he would choose Morocco as a place for his potential retirement or exile, however you want to put it. There is, of course, the historical ties. Ces relations se fondent sur un cadre juridique bien étoffé, avec des accords de coopération, mais surtout sur les liens personnels entre les dirigeants. L'amitié a favorisé la mise en place des liens diplomatiques. En 1975, le Gabon lance plusieurs travaux dans le chemin de fer. Et il manque au Gabon des fonds pour développer tous ces travaux. Et Hassan II va faciliter auprès des pays arabes l'octroi pour le Gabon des crédits financiers. Cette question a beaucoup divisé l'Afrique entre les soutiens et ceux qui étaient pour l'indépendance du Polisario. Le Gabon s'est rangé du côté du Maroc en lui apportant son aide. Et même lors de la marche verte en 1975, le Gabon a envoyé un contingent de militaires pour soutenir le roi Hassan II. Ils ont construit une amitié à l'ombre de leur père, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont développé des liens à l'époque de leur père. There is a sense that maybe they have, to some extent, sort of grown up together a little bit in that, you know, they're familiar with each other, they've spent quite a bit of time with each other. There is a good trade relationship, there is a good diplomatic relationship between the two. And then of course, there are also you know, pretty strong military ties as well. J'ai logé chez lui et j'ai pu bénéficier de tous les soins pour pouvoir petit à petit reprendre mes esprits. They're being pragmatic. They are trying to hedge their bets. You know, potentially you could say that they're putting their strategic interests above personal considerations.
the signs so far indicate that we will continue to see the same economic collaboration, the same potential level of diplomatic cooperation. And I think that's in part due to the fact that the current leader in charge of the transitional authority himself has strong ties to Morocco.